Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG. Comment ça va les fous Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier paquet scellé Mort Méburn, euh, la nouvelle extension euh, qui régale. Avant que on puisse faire les petites AP, on a accès à un compte euh, streamer. Donc merci beaucoup à Wizard pour le prêt de ce compte, ça fait plaisir. Hein. voilà Je n'ai pas 362 000 gemmes ni 1500 wildcards de chaque, je vous rassure. Euh, non, non, j'ai toujours pas grand-chose sur mon compte perso, mais sur ce compte-là, j'ai tout et du coup, on en profite pour faire du limité en avant-première contre d'autres créateurs de contenu, streamers, joueurs pro, etc. Ça fait plaisir. Euh, donc merci à Wizard pour ça. Avant de démarrer, de construire un petit deck et de faire les petites games, on va évidemment remercier euh, Ultimate Guard. Il y en a fait dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, faites vos petits achats et ça nous soutient quand vous passez par là, ça fait plaisir. Et également la belle carte, la belle carte qui vous permet de gagner un booster. Et non, pas un booster Bloomerow. Et non, et non, un booster. Mort et Brune, justement. Donc, vous mettez un petit commentaire, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu et vous êtes éligible pour potentiellement être un ressort pour gagner un petit booster mort et burn pour euh, gratos. Donc voilà, merci à la belle carte qui offre ça. Et évidemment, code la belle carte si vous créez votre compte sur Voct pour venir nous soutenir. Regardez les petits shows délicieux qu'on fait du dimanche au jeudi à 18h. Carte à l'unité Box Break sur plein de TCG différents. N'hésitez pas, 10 euros offert. Et c'est vraiment 10 euros offerts. C'est pas 10 euros aussi, machin. Non, c'est 10 euros offert. 10 euros sur le compte. Donc ça fait plaisir. Sur le compte Voct, évidemment. Donc, ça régale. Euh, exactement, Sword 162, c'est le nom d'extension. Euh, on est parti et on va voir ce qu'on obtient dans ce petit booster. Toujours plus intéressant d'avoir des rares un peu à droite à gauche plutôt que toutes les rares dans une couleur. Et là, qu'est-ce qu'on a Ouais, c'est un petit peu Meltyn Pot, dont deux rares injouables complètement. Donc, au moins, trois rares injouables. Donc, on est très content. On a Toby qui développe beaucoup de stats. Pour le draft, c'est cool on a le funérarium qui fait des drains de vie et qui réanime tout. C'est super fort, ça. Ok. Euh, on a l'écorcheur d'esprit. Alors, si on peut le jouer, c'est super fort parce qu'on va tuer très vite l'adversaire et il aura du mal à le gérer. Mais il y a un monde où on ne peut pas le jouer parce qu'il y a quand même triple bleu. Déchiqueteuse de et C'est un gros véhicule qui permet de réanimer peut-être des petits terrains. Ok, pourquoi pas. Linley bleu, ça sert à rien. Ça c'est... Bah, si on joue mono noir, pourquoi pas, mais bon. Je pense qu'on ne pourra pas. Et euh, Massacre au Croût de Boucher 2, c'est 4 mana noirs malheureusement, parce que l'effet statique, c'est vachement intéressant pour le limiter, mais c'est 4 mana noirs. Est-ce qu'on peut faire un mono noir Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ne peut pas faire un mono noir du tout. Est-ce qu'avec les artefacts on pourrait? 15. 16 17 18 Non on est obligé d'avoir un peu d'autre chose on est obligé d'avoir un peu d'autres choses hum. Du coup ça out potentiellement ça On va voir On va voir on va voir Je vais zoomer parce que je connais pas encore toutes les cartes euh, Donc ce sera plus agréable pour lire de combat, plus de plus de vol, et ça devient une créature enchantement, ouais. Ça c'est super fort. Euh, de de vigie, euh, quand il attaque on surveille 1, c'est cool. 2-1 pour 2, quand il arrive, piochez une carte, puis des fois c'est une carte à moins que vous ne contrôlez une autre créature avec une force inférieure à 2. Ok, bon, c'est souvent piocher une carte pour 2 du coup. Euh, on peut faire un dimir ou on caste rien, exact. Pour 3, j'aime beaucoup euh, le dessin. On a une 2-4 pour 3. Quand il attaque, l'escorte endurci, une autre créature ciblée que vous contrôlez. Avec un... Ok, fort ça Tu fais ton difficile, ça se plâche, carrément noir. Oui Toby, bon, on sait que c'est bien. Prisonnier de l'écran, on exile la créature, artefact ou enchantement. On a un blanc qui est vraiment très, très bien. Quand on déverrouille cet accès, on fait un jeton. Un enchantement pour deux, c'est pas ouf. Et pour trois, quand on le verrouille, on cible deux créations, on met un marqueur sur chacune d'elles. C'est vraiment mime, hein c'est une garde de synergie. Capturé en plein sommeil. Pour 5, on détruit une créature ciblée. Ouais, c'est cool ça. Vol, recyclage de plaine, excellent. Ok, le blanc est très solide. Le blanc est très solide. Il a fait rien, oui. euh, pour 2, on contre un moins qui paye 2. Et s'il si paye 2, on surveille 2. Ok, on a une petite value. Donc il n'est pas mort ce Counter Spell, c'est intéressant. Sortir pour demain la nuit On contre un sort de créature ou d'enchantement. On renvoie une ou deux cibles qu'on possède dans notre main. C'est intéressant. La mouche pirana. C'est une deux en vol qui arrive engagé Ouais. Effrayant euh, comme bête. Euh, Coup vent maudit. C'est bizarre comme nom, mais ok. On manifeste l'effroi. On lui attache. C'est une de deux de vol qui peut être retournée, Qui qui pour trois pour donner le vol. C'est bien ça. C'est bien. Un 3 vol Vigie, quand un enchantement arrive ou que tu déverrouilles un truc et qu'il a plus d'impression qu'à la fin du tour. Ouais. Récorcheur, si on joue euh, bicolore, on peut le tenter. Hein. En deux coups, quasiment, on va tuer l'autre. Donc, euh, ça, ça vaut le coup. Oula. Inspecteur de tunnel. Pour 3. Oh, c'est trop mignon. Il envoie un petit euh, esprit teddy Bear, là. Quand il arrive, on crée un enchantement. Ouais, c'est cool. Franchement, le, le power level des, des cartes est très bien. Ou alors, j'ai eu de la chance, mais je ne crois pas. Ça, c'est excellent. C'est une bête en flash ou un contresort. 3-3 pour 3 vols. Quand on déverrouille un. Alors, ah quand il attaque, on déverrouille un truc. Ça, c'est fort aussi. Pioche de cartes. Créer un jeton de cratch enchantement. Un blanc nitessence. essence C'est bien ça. Putain, le bleu est très fort. Hein. Comparé à Bloom Bureau. Ça, on s'en fout. Ok, c'est décent. C'est décent, ça bloque. Le noir. Oh, la solitaire cynique. Incroyable. Incroyable. 3 pour 2, ne peut pas être bloqué par la nitessence Essence, au début de notre deuxième phase principale, si elle est engagée, on peut chercher une carte dans la bibliothèque, la main cimetière est mélangée. Ah dommage, j'allais dire oula, ça c'est insane, mais non. Euh, Pris au piège, 2 pour 2 mana flash, moins 3, moins 3. Et ça enlève la défense télismanique, ok. Et la parade. Infection sporogène. Bah, je connais ça, c'est de la sauvesse. Dès y les champignons euh, sur un gars je vais dire ça pour deux enchantement je veux cibler sacrifie une créature haute que la créature enchantée oh c'est trop bien le fameux truc de tiens tu sacrifies cette créature là ben, on peut le faire maintenant ni tiens tu vas sacrifier mais pas celle là trop bien si contresort tu peux jouer contrôle c'est vrai que j'ai beaucoup de contresorts 3 4 5 6 ouais euh, homicide, voire classique, c'est bien, ça aussi très bien. C'est très dur, on a un, un bon pack j'ai l'impression. Ou alors le, le limité, juste très bon. Le Balafmeur il fait il fait caca Kikik. 3-3 contacts mortels, quand il arrive, un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée, mon ce ci Ouais, pas ouf ça. J'avais comment une carte quitte votre cimetière, on crée un 2 enchantement et quand on dévoie le sexe, on envoie une carte de créature depuis votre cimetière dans nos mains. Ok. C'est con de mettre la crypte à côté de la morgue. Tu vas forcément se passer des bêtises. Peur de l'obscurité. A chaque fois que la peur de l'obscurité attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de création essence, elle a qu'à la menace et le contact mortel. 5-5 pour 5 qui peut être menace de touch, c'est bien. C'est énorme démon qu'on ne jouera malheureusement pas. La crypte qui est cool. Fait piocher des cartes et puis ça buff, je crois. Si on attaque seul, ouais. Funérarium qui est très bien. Et ça qu'on ne jouera pas. Percussionniste mécanique. J'ai envie de builder 1000 decks là, c'est fou. Alors, quand il meurt, on exile la carte dessus on peut la jouer jusqu'à fin de notre prochain tour. Ok. Ça, on défausse une carte, on pioche deux. Et si on n'a pas défaussé un land avec, on met deux. Pyroclasme. Clone vicieux. 2-3 trois pour 3. Trois. Ouais. C'est très aggro. De 4 pour 4, chaque fois que vous attaquer une créature attaquante cible et une fusion plus 0 et qui a l'initiative jusqu'à fin du tour. Éventreur de bouille cale. Quand il arrive, on peut sacrifier une créature d'entrechandement. En Enfiler 2 n'importe où, pas mal. 5-6 menace. Quand de vous c'est sur une créature. Ouais, c'est cool. Et le vert maintenant. Et on a vraiment euh, du bon jeu. Pour deux, on manifeste l'effroi. Dites son nom. Oh, le Beatle Jui. Euh, on meule trois cartes, puis on peut renvoyer une carte de créature au terrain depuis le cimetière de notre main. Exiler cette carte et deux autres cartes appelées Dites son nom depuis votre cimetière. J'en ai combien avec deux. Dommage. Cherchez dans la bibliothèque, votre bibliothèque, au cimetière, une carte appelée qui qu'on appelle trois fois. Oh, je l'avais en plus. Et mettez-la sur bataille si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélanger. Ah, dommage. Pour le, pour le lol on aurait pu jouer. 3-1 pour 2. Quand le chien de garde se conspire arrive, vous meurt, surveillez un. Ouais, classique. Ouh, la curve à 3, elle est un peu vide en vert. On débute la deuxième phase principale, c'est l'engagement, de gagne 2 points de vie. Ouais. Manifestez les froids quand il arrive. Chaque fois qu'un perdant face cachée que vous contrôlez arrive, cherchez dans bibliothèque, carte de terrain. Donc pour 4, je mets une 2-2 et je vais euh, chercher un land. Lui il est 9-9 piètes pour 7. On en a 2, c'est fort. Altanac, lui qu'on appelle trois fois. Gratte soigne à la table de côté. Eh dits de son nom là, vite fait. À chaque fois qu'Altanak devient si bien sûr une capacité de contrôle, pioche une carte. Pour deux, on le défausse. On va je en bataille, engager une carte de terrain, suffit dans le cimetière. Ok. Ah donc ça marche bien avec dit son nom. Euh, gymnase moisi. Merde. Et une salle de muscu. Quand vous dire ah oui cet taxé. Cherche une de bibliothèque, une carte de terrain de base. Ok. Mais il fait celle puis mettez trois marqueurs sur cette créature. Oh, solide ça. Ensuite on a un peu de fixing. Est-ce qu'on a suffisamment de fixing pour faire un peu nymphe avec les landes On a immensité terramorphe. Quatre terrains. Donc on pourrait jouer euh, un peu quatre couleurs peut-être, sans blanc. Ouais. La pièce serre est incroyable. Laquelle Dresseuse de Gremlins, de 2 pour 2 quand un enchantement arrive et quand on dévore une pièce on fait un Gremlin, c'est bien ça Les tokens sont trop mimes en plus. Pétineur en linceul, oula Pour 1000 mana, 5-5 contacts mortels, quand il arrive ou qu'il attaque, chaque adversaire perd 2 points de vie ou gagne 2 points de vie, pioche une carte. Ah oui mais c'est très fort C'est très très fort, stylé. Amrage intruse, de 2 vigie pour 2, on peut la sacrifier pour mettre 2 à chaque adversaire, plus une carte. Ah non, on sacrifie une pièce. Ouais ça c'est hyper fort, 3-2 menace pour 3, on peut sacrifier une autre bête pour lui mettre un marqueur. Et si on a sacrifié au moins un permanent sourcil, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Donc 1. C'est quoi le, le chaos de minuit On a 3-1-1, menace, lien de vie, célérité pour 4. Et on en a 2. Uh. Bat de baseball, qu'est-ce que ça dire quand elle arrive, on l'attache à une créature ciblée qu'on contrôle, c'est une puissance plus 1. Et quand elle attaque, on engage une créature ciblée. Ah ouais, c'est fort! Très fort la batte de baseball. Là, on a un truc qui fixe complètement les couleurs. Pour 7, on met 7 marqueurs plus puissance plus 1 sur l'écran hanté. Il devient une créature 0-0 esprit, en plus c'est autre type. C'est fort ça! Chandelier maléfique, 4-4 vol, on met une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque. C'est qu'un rituel, mais ça lutte contre le délirium contre ce, le self-mull ok c'est intéressant tout ce qu'on a reprenons du début le blanc il est flat bien il fait des trucs cool il y a du removal euh, il y a de la bête il y a un peu de synergie c'est cool le bleu bleu on a beaucoup de counter spell ce qui est ok en, en paquet scellé mais et qui peut un peu être un peu mou euh... Les bêtes bleues, en fait, à part les d'esprit qui peut nous faire win euh, sans faire exprès, euh, les bêtes bleues sont pas très bien. Elles sont décentes, mais euh, pas incroyables. C'est une couleur de support. Et j'ai pas de couleur suffisamment forte pour y coller du bleu, je crois. Euh, le noir est cool aussi. Beaucoup de removal. Beaucoup de removal, ça se coupe bien avec le blanc en plus. Euh, C'est un peu esper les couleurs euh, enchantement et tout. Euh, on va voir si on aura cette couleur en, en noir blanc. Rouge, rouge est agro mais j'ai que le rouge qui est agro. Euh, si le blanc aussi. Le blanc rouge peut faire des trucs je crois. Mais j'ai pas beaucoup de bêtes J'ai combien de bêtes en rouge? Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, J'ai que 5 bêtes en rouge, hein. c'est vraiment, hein, vraiment mi-fig. Et en blanc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pas beaucoup non plus. En vert, on en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9 quand même. Hein. Donc en vert, on a beaucoup de bêtes. En plus, ce sont des grosses bêtes, des grosses stats. Si on joue hors-of, on a un piétineur en plus. Si on joue Boros, on a ça. C'est deux bêtes supplémentaires, c'est très fort. Euh, en curve 2, euh, ça buff tes précédents Gremlins, c'est vraiment euh, délirant. T'attaques avec 6-1-1, menace Lifelink. Quelles sont les couleurs Je vais pas, malheureusement, build, essayer de builder tous les decks et tout, euh, ça va être un peu long euh, pour vous, viewers. Ça va être lourd. Oh, ça tient sur 3 pages, quasiment. Euh... Ah, je peux pas trier par créature parce qu'il y a des cartes qui en vert par exemple, ça c'est une 2 2 pour 2 même si euh, c'est pas écrit dessus. Je regarde le bleu le blanc, c'est assez assez sûr qu'on peut le jouer. Donc je regarde les, ca... les cartes les couleurs qu'on pourrait pas jouer. Bleu, ça marche bien avec le blanc quand même. Hein. bleu blanc stylé en plus on a la gold bleu blanc. Est-ce qu'on pourrait faire un esper On a deux deux trois trucs qui nous permettent de nous fixer, peut-être qu'on peut faire un esper un peu sympa. Voyons voir. On jouerait ça ça ça. Ça c'est fort ça évidemment. Gestion. Merde, elle fait quoi celle-là Oui, ça c'est bien. Gestion gestion bête. Euh... lui il fait des petits jetons enchantement On va éviter les doubles colorés euh, en early C'est une bonne euh, bonne stat faire enchantement pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a 3-1 pour 2 C'est juste, ouais c'est quand même 3-1 pour 2, hein. pas mal. Ça c'est anti-bête, 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 anti-bête. Il hmm. n'y a pas beaucoup de cartes qui vont quitter le cimetière mais c'est un enchantement. Ouais je crois que c'est ok. Oh j'en ai deux Ça nice. on peut pas jouer, ça je crois que c'est pas très bien. J'en veux un, c'est fort, et du coup, on jouerait Gremlin, piétineur aussi. Ça, ça me fixe un peu, ça me fixe carrément. Donc, oui, land, land, land. Euh... L'envie de jouer cinq couleurs est très puissante, et je sais que vous allez me pousser à faire ça, donc non. Le vert a juste des super stats. Hein. Genre, on fait des 9-9 pieds pour 7. Euh, l'opo il est écrasé, quoi. Peut-être que la solution, c'est un, un Golgari classico. Ouais, je crois que ce serait un truc comme ça. Alors là, j'ai 47 cartes. On peut enlever la crypte profanée. Je suis un peu lourd euh, sur la cœur. Ah, ça, c'est un drop 2, par contre. Ça, c'est un drop 3. Ça, c'est un drop 3. Ça se recycle pour deux. Ok. Le bleu est peut-être un peu mims là. Ouais, les trucs sympas. Mais le noir est plus, euh, plus intéressant. En fait, le bleu est bien pour la dresseuse de Gamelin's. Le noir propose des trucs quand même un peu plus sympa, je dirais. Parce que si je cut le bleu... Hop Je peux... Bon, j'ai le petit X blanc qui est OK. J'ai combien de créatures J'en ai que 10. Il m'en faut un peu plus. J'ai des trucs qui me font des bêtes, hein, mais bon. Pour 4, la curve à 4, elle est comment Elle est vide. Donc vous pourrez jouer ça. Juste pour remplir la curve et avoir plus de bêtes. Ça, c'est décent. Hein. On peut se dire, à un moment donné, on le caste. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense J'ai mis l'artefact qui fixe. Ouais. Ça, non, j'en veux pas, je crois. Tour 2, on est comment 1, 2... 3, 4, 5. Ouais, on n'est pas trop mal en tour 2, on a un tour en plus. Est-ce qu'on met le massacre au croc de boucher 2 Il faut quand même 4 mana noirs quoi. Genre souvent, ça va être une brique collée dans notre main. Il faut la moitié de nos marées. Donc en moyenne, il va falloir piocher la moitié de notre deck pour pouvoir le caster. Ouais j'ai ouais, ça quand même. J'ai ça qui m'aide à, à le caster. Est-ce qu'il y a des trucs qui quittent mon cimetière et cryptes profanées là Non je crois qu'il n'y a rien. Enfin, à part avec elle-même, quoi. Euh, ça j'aime beaucoup. Et si on faisait un Golgari <laughs> Golgari manifester l'effroi. On aurait juste des bonnes stats, mais pas vraiment de synergie. Je ne sais pas si c'est un, un, un format limité de stats ou de synergie. Il y a un ragdos. Euh... Ouais, non, j'ai pas beaucoup de bêtes. Hein. Même en rouge, j'ai pas assez de bêtes en fait. Là, j'ai un deck qui me semble décent. Plus stable que si je devais tenter un Esper bizarre là. Plus costaud, euh, notamment parce que j'ai beaucoup d'antibêtes Je crois que comme j'ai beaucoup d'antibêtes ce massacre est pas pertinent, quoi. Faire sacrifier en limité quand t'arrives trop tard, euh, c'est long quoi. Thierry dit que c'est le format du complot, mais est-ce que Thierry il a pas dit ça à tous les formats Quelque part. Pour lui, tout est complot. Je crois qu'on va partir avec ça. Vous savez quoi, on va se faire une game et on va voir. Alors c'est du BO1, il n'y a pas le BO3 sur le stream d'AP. Ils veulent qu'il y ait plus de gens euh, sur le, le serveur qui jouent quoi évidemment. Dafour NTG. Tour 2. Ils jouent en premier. Ouais, on joue. Hein. Let's go. Ok. Alors ça c'est sûr que je vais pouvoir gérer les bêtes adverses. Hein. Let's go. très fort limité justement. Let's go. C'est dommage, on peut pas jouer avec la console. Ah c'est peut-être parce que j'ai éteint la télé. Non. Un 3 vol Vigie. Chiant. J'ai utilisé ça pour piocher une petite carte. Hein. Pas d'attaque. Il est fort limité, il connaît les tricks. moi non, donc je sais pas si je pouvais le bluffer sur une attaque. Ah C'est belle curve ça Je prends deux. Ça, ça ne sert à rien de le détruire. Ah, mais ça sert à quelque chose de l'exiler. Euh, mes pièces elles font quoi Elles font des trucs cool. Ouais, je crois que je vais devoir exiler ça, ceci, hein. Oh, je peux éteindre les lampions. Je vais mettre des petits coups dans les yeux là. Hop, 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 hop. Je crois la curve ça dans la rare bleue là. Vénère. S'il peut casser ça, c'est chiant, mais c'est pas rare de Donc, ça lui prend son tour. Le problème c'est que moi ça je le gère jamais quoi. Il faudra que je gère ça. Son jeu il était très lisible. Avec Vegavod toujours en fond. Ah oh, putain. Mais ça, je comprends pas qu'ils aient dit cette carte, je trouve ça trop pété. Ça apparaît de combien Parade de deux, bah écoutez, on va passer notre prochain tour, hein. Allez-vous Oui. Je paye. Je détruis. Ça dégage. Récupère ça. J'arrive à la ligne Je fous un point. On s'en sort, mais il a la main pleine et on est à 10, quoi. Il a vraiment un très bon pack Azorius, hein, la vache. J'affrontais les mêmes hier en construit. Je vais dans mon contrôle arrivé et que je dévoue une pièce. Un lien de vie, ok. Je peux attaquer, il bloque. C'est une 4x4 des touchs. Voyons voir. Oublie pas le champ de Scooby. Il a pris son petit point. Je peux bête avoir ça. Je peux mettre une 5-5 aussi. Quel est le plus mana efficient Mettre une bête et avoir anti-bet, c'est le plus mana efficient. Resteuse de gremlin, c'est vraiment chiant. Je gère mal les boards larges. J'ai des bons anti bêtes en fait, mais pour les, les grosses cibles. Genre ça. Il a un peu touille quand même. Hein. Je veux pas dire, hein, mais. Pour 5, il me tue ça. C'est la vie. Il attaque avec tout. On va en profiter pour tuer plutôt ça. Parce que le lifeling, je m'en fous. Et s'il a un spell de protection, bon bah. On aura été. Ah bah, il a un contre. Ok. On aura été battu jusqu'au bout. Très bonne sortie d'Afford. Euh. Cette mana, pas grand-chose à faire. Je vais tenter ma 5-5, J'aurais pu faire ça et développer un débloquer un accès. Mais... Là j'ai eu deux anti-bêtes un contre donc euh... pardon. Okay. Euh yes bon on a que des landes Bien joué Ok euh, bah, honnêtement j'ai trouvé que notre pack était décent mais qu'on a affronté Dieu Ou alors tous les packs sont comme ceux de mon adversaire et juste on a ouvert un mauvais pool Mon pool je le trouvais bien mais Non je pense que juste euh, on a affronté quelqu'un de bon limité qui a ouvert un pack assez exceptionnel Non, je pense qu'on peut en tenter une petite. Hein. De toute façon, si on se fait vite rosser, on en relance un. Euh... Je sais que des gens euh... En fait, les poules sont gratuites là, donc si t'as un poule nul, tu peux le refresh à l'infini. J'espère que les gens ne font pas ça. Normalement, il y a une communication qui demande de ne pas le faire, mais quand tu vois des poules zinzin, des fois, tu te poses la question quoi. Je peux recycler une plaine. J'ai un anti-bête. C'est un peu lent quand même, mais bon, j'ai mes mana. On va voir. Bon, le bleu, on a compris que c'était fort limité. Hein. J'ai vu beaucoup de trophées bleus déjà. et On prend de cette avec du bleu. Moi, mon bleu, il est un peu timide. Je n'étais pas obligé de piocher un, un drop 5. que ça peut être un drop 2. Hop, là. Je pense que je vais garder ça, c'est bien. Web, Simone, qui va faire une 3-3 Je prends des trucs aussi, c'est c'est pas mal quoi. Tricolore, il est bien. S'il rampe tour d'après, il me refait une 5-5, donc il va attaquer trade ma 3 1 ramper faire une 5-5. Je pense que je dois infecter euh, le 3-3 pour me débarrasser de Zimone. Ah oui, je peux m'enchanter une bête elle le cibler comme ça il sacrifie un truc, rigolo. On peut faire un bon 10 contrôle avec ton pack juste des cartes qui ont 4 ou plus de mana une couleur en limité, pas fou. Euh... Ah oui, les, les rares que j'ai ouvertes, ouais. Ouais, j'en ai ouvert... Euh... Je sais pas, en fait j'ai quasiment pas ouvert de rares dans mon pack, dans mon pool. Une 4-4... Ok, je vais pouvoir bloquer et tuer. On arrive dans le late game, tranquille vous. Qui fait anti bête sur ma 3-1 euh... Qui crée 1-1 et la créature plus 1-1, -plus ok. Yes, attaque avec les deux. Il a l'air de rien avoir, donc on va détruire ça. Trade ça. Et on est pas mal. Il a une 2-2. On a une 5-5. Ça c'est une gestion, ouais. Il nous manque un pour un autre 4-5 fly. Il a une Nite Essence, donc ça c'est des Touch euh, menaces. Ça fait bien la course. Ouais, je fais napper euh, samedi après me Belgarion. Chandelier magnifique. C'est un bon truc à tuer. Euh, honnêtement, je peux d'abord attaquer. Ah non, faut qu'il ait pas de nitessence. essence Ok. Double oh, bloc, il se fait attraper là. Il double bloc pas. Je veux ma bête. Je pense que s'il avait une gestion, il aurait joué. Ah oui, peur Donc, il perd de l'obscurité. Donc s'il y a un truc de lumière, euh, marche pas. C'est trop bien pensé. Le Flevoir, en ce moment, ils sont très forts Magic. Bon, ils ont toujours été forts. Hein. Mais euh, solide. Ou faire une AP aux alentours de Marseille euh, bah, Regarde les magasins qu'il y a à Marseille, Coftes. Euh, Je pense qu'il doit faire des AP à la crypte du jeu. Enfin, la crypte. La crypte ou la crypte du jeu, je sais plus. Euh... Et euh, il me semble qu'un autre shop aussi. Ah, il équipe et fight spell. Il a un fight spell depuis le début, là. il a pas utilisé. Fight spell rituel. Des AP aux déchanceux AX. Oui, effectivement. Roll games. Roll games, peut-être des avant-premiers. Utiliser le site euh, Wizard Locator pour voir où proche de toi il y a des magasins et ensuite tu vas sur le site ou sur le Facebook de ces magasins voir s'ils font les AP. Emergence. Euh... Oui. Le fight spell, donc j'envoie 5 points. Il a quelque chose en main au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ok, on va le mettre au-dessus. Je vais tuer ça de suite, je pense. Et je vais jouer mon Toby Oh le Toby On a un deck... Euh... Enfin, là, il y a assez de bagarre en fait. On a un deck qui euh, est très fort dans le late game, notamment avec la, la rare noire là, qui réanime tout notre euh, pack. Yes, je pourrais gérer ce Kona, mais à moins qu'il topdeck une dinguerie. Euh... Bon, même pas, je vais le trade. Si je le gère, je peux attaquer avec les deux, mais bon. On va juste rejouer notre peur de l'obscurité pour être mana et patient. On peut aussi juste double bloquer. Moi, bon, C'est vraiment 3 mana, on met l'équivalent de 5-5 de body. Hein. C'est rien de plus Toby dans le deck. Avec la bête. Trop mignon. Ça fait vraiment dessin d'enfant euh, amis imaginaire J'adore. J'étais la télé, c'est bon. Là, c'est regardé. Oh, ça fait de l'électricité sur les câbles. Bzz, bzz, bzz. Avec le Toby? Ok. 3-2 qui peut manifester l'effroi tous les tours. Si j'attaque, double bloquerait, je pense. Je vais enlever ça, ça a l'air chiant. Je confirme. Bagarre. 5 points. Pakit top deck. Il a fait Kona dans euh, la 3-2. Donc il peut trouver un petit land, c'est pas déconné. Moi j'ai du bon jus euh, de late game. Ça va mettre 2 points. dans puntos. J'aurais dû shuffle. j'étais en train de regarder un truc à côté. Il fait un tricks. En tous les cas, euh, on va y aller. Hein. Contact planté indestructible. Ouais, ah, il a trouvé un Tibet. Ok. Bon, trois cartes actives d'affilée. Il peut trouver un land. Ce serait pas déconnant. J'avais moins d'une chance sur deux d'en trouver un, j'en ai trouvé un, donc euh, c'est pas grave quoi. C'est pas un land, ah C'est peut-être un land. On va chercher un marais. Ok, j'avais euh, moins d'une chance sur trois de trouver un land. Euh... J'ai aussi le, le port hors hein, zone. Hein. J'ai plein de trucs à piocher là, qui sont cool. Ah, oh, please, le jeu... J'ai juste crevé parce que je pioche tous les lands de mon pack. J'ai 6 lands sur 21 cartes, quoi, please. 3-3 Vigie. C'est bien ça. Il lui faut le délire. Ouais, ouais, je pioche de la grosse merde. S'il si a pas anti bet on est encore en vie, je vais chumper et prendre deux, mais bon. Je vois pas ce que je peux piocher qui me remet euh, remet droit. Ok. Bon, bah dommage, je pense que la game était ok. Euh, encore une fois, le pack est pas, pas mauvais, mais on a pioché euh, 60 000 landes. Bon bah écoutez, on va en refaire une encore avec ce décor d'offre. Convaincu que Orzov est, est un bon pack, mais euh, quand on tombe à. Combien j'avais à la fin 22% de chance, je crois, de piocher un land et qu'on en pioche un. Bon bah. Adversaire, il a dû piocher 4 cartes actives sur 5, vu sa main et ce qu'il a joué. Donc. Euh, RIP. Il avait moins de landes que nous en plus, donc il avait plus de chance lui, de trouver des landes que nous, de base. C'est pas grave, c'est la vie, on peut rien y faire. C'est un peu frustrant toujours de se battre. Sur une game, et que la, la finalité c'est on est au top deck et euh, j'enchaîne avec peu de pourcentage de chance des draws de, de merde. Après, j'ai gardé du late game en main. Ouais, mais j'ai gardé du late game et des lands Donc, même si j'avais des grandes chances de piocher du, de l'early game, j'aurais juste dû piocher des cartes actives dans tous les cas. C'était pas le problème de piocher de, de l'early game. Bonjour, Carinas, Quelle est la meilleure mécanique de DSK euh, Impossible de le dire pour l'instant. Est-ce euh, que tu parles pour le limité ou pour le construit déjà Et si tu parles pour le limité, euh, j'ai l'impression que bleu-rouge, euh, pièce, ça a l'air très fort. Mais. Euh... Ah, bah nage Back to back. Mais. Euh... Mais je ne sais pas. Euh... Je ne saurais pas dire encore. C'est ma troisième game que je fais du limité. C'est. C'est compliqué à dire. Ah là, on a un meilleur main tout à l'heure. Ok. Je vais tricolore aussi. Hein. Solide. Bon, il a encore ces deux couleurs. Ah, il a ça. Ouais. Je pense que j'ai ouvert un pool sans aucune rare aussi qui n'aide pas du tout. Ça, ça peut faire des trucs chiants, donc je vais le gérer de suite. Ciao. J'aurais aimé avoir mon tour 1 avant, hein, comme ça je mettais un marqueur dessus, mais... J'ai qu'un mana blanc, donc je ne peux pas faire double spell, donc on va faire un, un meilleur spell. Ouais, je crois que le, le power level moyen est, est assez élevé dans Pond pour le limiter et qu'en en fait on n'a pas eu un pack très bien. Après, t'es pas obligé d'avoir des rares back-to-back -back euh, nage. Est-ce que j'ai de quoi le gérer Oui, j'ai de quoi le gérer avec ça. Avant qu'il trigger. Du coup, on va développer plutôt ça. Allez ah, Allez, l'OM. Lui, il nage, toi, tu coules. Bah, là, je fais une sortie décente, hein, franchement, pour du J'ai plein de trucs à faire. J'ai euh, l'équivalent de 5 cartes en main, mais je suis obligé de réagir à ce qu'il fait. En fait, j'ai des bêtes assez mignonnes, quoi. Bonne journée, PJV. Bon courage avec le pack. Ça marche, loup. Merci. Ciao, ciao. Ah, Loulou, je sais pas si t'es encore là. Il voulait te contacter les, les copains pour refaire une AP. Si jamais. Avec Big et la clique. Oh, big la clique! Oh, big! Mardi, je crois. Ouais, exact. Je clique sur les yeux là, dès qu'il y en a un. Oui. En espérant qu'il n'y ait pas de contre. Mec, euh, c'est mec, terrible! Il met quoi en jeu Je prends des séquences les gars, c'est interdit quoi. C'est drop de rare qui accélère dans drop 4 normalement, heureusement je l'ai géré into je euh, rends indestructible, je passe au travers d'anti badge, je te mets une mythique enfin c'est Genre je veux des selles limitées, je me prends des séquences qui n'existent pas. Bah, vous savez quoi Bien joué. Euh, on va juste refaire un pack. On s'en fait un là. Dans la même vidéo. On se refait un pack parce que celui-là, il marchait pas et, euh, et le jeu, il est pas, pas coopératif. Du coup, deuxième pack. Bam. Oui, j'ouvre. Oui, oui, j'ouvre, j'ouvre vite, vite, Et je vais jouer d'autres boosters, d'autres boosters. Non, on est d'accord que. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir plus de si rares. On en avait ouvert 6 là, on a ouvert 8. On est d'accord, les gars. Que. Drop de rare dans Kona Rare qui descend une mythique backup protection anti bête C'est délirant. Ou c'est que moi. Il y a trois rares. Euh, il y a trois landes. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a l'heure qui est sympa. Gobmouche est cool, je crois. Ah si j'ai le délire, ça met des marqueurs, sinon rien. Fuck. Okay. Bureau privé, ça c'est pas mal. Curiosité, c'est cool, ok. Ouais, j'ai les langues pour faire du bande. Hein, t'inquiète. Peut-être qu'en face, ils ont reroll le fou leur pack d'AP. Ouais, Peut-être qu'il a juste très bien ouvert hein, l'opo. Hein, mais bon. Ils ouvrent tous très bien, visiblement. Moi, j'ai pas encore un, un pool de fou, là. Le truc, c'est que si je reroll juste avoir un pack craqué pour rivaliser, c'est con. Euh, moi, je veux faire avec ce que j'ai, c'est ça le... Le jus du scellé, c'est tout un truc et t'essayer de faire de la magie avec et... C'est pour ça que je... je déteste ce format en général, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a On a un bon vol Ok. Vert blanc bleu, t'as tout pour. Ouais, mais il n'y a aucune synergie, quoi. C'est juste que j'ai des cartes. Euh... Des cartes acceptables. Mais même ça, c'est pas bien. La plupart du temps, les gars, en limité, c'est une 2 4. 2, 4 pour 3. Ça, ça peut être ok. Si j'ai des gros trucs à cheater éventuellement. Euh... Et ça, euh, ouais. Genre c'est double vert, c'est double bleu double blanc. Quand même. Qu'est-ce qu'on a On a, a celui-ci. J'inflige ma force à une bête. Et si j'ai le délire, c'est plus un plus un. C'est deux marqueurs même. Kremlin. Le hurler snowball. Bah, il faut pas qu'ils ne soient pas bloqué. Sinon il attaque, c'est que 3-3 quoi. Est stylé De deux les fling qui ne peut pas bloquer. Quand un enchantement contrôle arrive, quand on dévoile une pièce, on peut leur envoyer une scie dans notre main. Ouais. Chaque fois qu'un enchantement de contrôle arrive et que chaque... et vous êtes être surveillant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, on disait. Plus un, plus un, chaque enchantement coûte un bon, ici Si on a un pack enchantement, c'est très fort. Petit de combat. Flash. La crête Ouais, ça c'est un tricks. Ok, on a un bon pool, peut-être euh, son enchant, du coup. Deux de Vigie enchantement qui surveille quand on attaque. Ah, on a la carte cheatée. Cool. Vous allez voir que nous on va se prendre en Tibet en réponse. Ça, c'est double drop 2 qui descend. Double gestion. 2-2 pour 4 qui manifeste l'effroi. Ouais. Bon, un créature... ah, chouchou en bas, une carte de créature, si pas tout, cimetière. gagner 3 points de vie. Ouais. Ça, c'est Mims. Pour bon, 1, ça devient une 0-2. jouée, Très creepy. Tant que la créature enchantée est face cachée, elle ne peut pas être retournée face visible. C'est fort ça, pour 1 ça devient 0-2, ok Ouais. 3-3 pour 2, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, à chaque fois que vous débrouillez complètement une pièce. Je à attaquer sur aussi comme si ce n'était pas le défenseur. Ouais. 3 de Gigi, quand un enchantement qu'on contrôle arrive, quand on débrouille une pièce, on a un marqueur sur le réceptacle. Quand il meurt, on crée un jeton XX et c'est le nombre de marqueurs. C'est pas mal ça. Ça, c'est évidemment très fort. C'est cool. Ouais, on a un blanc-bleu qui est très sexy là. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tu as le sentiment que tes oppos jouent des bonnes synergies ou des piles de bonnes cartes Le premier adversaire, il avait un bon deck qui était très synergique, avec des bonnes cartes dedans de toute façon. Euh, et le deuxième et troisième oppos, c'était le même. Le deuxième, il a assemblé juste des bonnes cartes et s'est sorti un peu moyen là dedans Enfin, à la première, mais euh, bah, j'ai pêché que des landes. Et à la 3, par contre, euh, c'était des spoilers infâmes qui m'a curvé euh, et qui m'ont détruit. Donc, euh... donc, pour le coup, c'est pas à prendre en compte. quoi. Parce que dans n'importe quel format limité, quand bien même la synergie est plus forte que tout, si vous avez des spoilers infâmes que vous curvez, vous avez gagné quasiment toutes vos games. Peur des dents perdues. Horrible. Horrible. 1 pour 1 quand il meurt, un n'importe où et on gagne un point de vie. Bien ça, très bien crée une créature en enchantement existe une créature ciblée, fort. Plus de plus de lifelink, ouais. Deux blessures à une créature ciblée gagne deux points de vie. Ouais, le noir, il y a vraiment de super removal. 4-1 pour 3. Si on a le délire, on paye 4, on le réanime. Ok. Ouais, je suis en une carte de créature ciblée, parce que trouver une créature en instant, c'est pas mal. Quand il arrive, on peut défausser n'importe quel nombre de cartes pour faire moins 2, moins 2. À autant de créatures qu'on a défaussé de cartes. 6-5 par défaut, c'est vous d'une carte. 6-5 pour le lancer, on sacrifie une bête ou un enchant. il vole piète et quand il arrive, chaque adversaire sacrifie un enchantement non jeton. Et une créature non jeton. Pff, vénère ça. Le noir est un bon candidat encore une fois. Je vais refaire of. Un haste, Norin, le fameux. Euh, Puis un plus zéro initiative. Si le delirium, ça double initiative, ok. Il est à ton sp Marché du traître. Oui, c'est vrai que mon adversaire en plus jouait euh, Pico Bello euh, tricolore. 5 blessures à une créature ciblée en éphémère pour 2. Ah il me faut sacrifier une bête, un enchant ou payer 3. Au payer 2 de plus. 1 4. Quand... Donc il y a au moins 2 accès déverrouillés parmi les pièces que vous contrôlez. C'est une 4-4 pour 3. Ok. Il n'est le copie des spells, je crois. Ouais. 2-4 quand il attaque. Enfin, euh, quand on attaque une créature attaquante B à plus en plus 0 initiative, c'est fort. 5-3 portée avec un dessin trop cool. C'est bien en late game. Quand il arrive, ouais, celui-là on connaît. 6 blessures pour 5. Oh, il a le faux cul le Gremlin. 4-4-Ace, quand on attaque, on fait un gobelin. Fort. Ok, on a les gros pâtés. En rouge. Salut, wickman. Engagez une ou deux créatures dégagées ciblées que vous contrôlez. Chacune des un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qui a un contrôle. Pas mal du tout. Oh, le tabassage. Tabasse-moi si tu peux. Séparation cathartique. Pro Mims. Propriétaire d'une cible qui a un contrôle. Artefact enchantement, la meilleure de sa bibliothèque. Vous pouvez mélanger jusqu'à 4 cartes ciblées. peuvent de cimetière dans la bibliothèque. Ouais. 2-3 vigie pour 3. Je lis un peu tout hein, des os, mais je ne connais pas les cartes. Ouais. Plus de puces de piètes en flash. C'est un trick, c'est acceptable. Je tabasse j'ai propre les coordonnées, ouais. On a une 4-2 portée pour 3 qui fait gagner 2 PF quand elle meurt qui est enchantement. Le hurleur, le gomouche Pour 3, on a une 2-2 qui nous permet de reprendre la du cimetière dans notre main. L'anthropède pour 3. Pour 4. On a une 3-4 avec une tête horrible. Quand il arrive, on peut défausser une carte ou payer 2 pour détruire une pièce ciblée. Ouais, c'est décent. 5-4 pour 5, qui fait une 2-2 quand il meurt. 7 6 pieds pour 6. J'aime bien le skin et c'est solide. Les tangons on ajoute un mana de la cour de toi. Et le gazebo bancal quand on débrouille, on met le 4, puis on renvoie 2 cartes de permanence. Juste pour ça, c'est ok. Mais Encore une fois, j'ai plein de bonnes cartes de partout. Euh, je ne sais pas trop quoi en foutre. Et là, j'ai regardé ce que j'avais déjà. À la fin, j'ai une immensité terre. Oh, j'en ai deux J'en ai deux, j'ai combien de bilandes 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait jouer un peu toutes les couleurs sauf du noir. Le noir, il y a beaucoup de bons anti-bêtes, mais pas beaucoup de créatures. Quel est l'intérêt de jouer du blanc à part peut-être la mini vras Si on faisait un deck good stuff. C'est bizarre, c'est vrai que j'ai quand même eu trois landes. J'ai bien envie d'essayer Delirium là. Gobmouche, ça peut être cool. Genre j'ai un June de... Un June costaud, non un draft et un scellé. Un draft, tu choisis des cartes une à une dans des boosters que tu passes à tes camarades et ils font de même avec toi. Un scellé, tu ouvres 6 boosters et tu construis qu'avec tes cartes, tu en passes à personne. Et ne t'excuse pas de ton ignorance, Captain Naou. Euh, C'est normal de poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pack-là, les gars Le bleu-blanc, il m'attire bien. En fait, j'ai l'impression que j'ai un bleu-blanc et j'ai un Jound. Le, le Dimir, là, euh, il sera trop mou, il va rien faire. Grul aussi, hein. grul euh, bagarre, ça marche. Le blanc manque de créa, anyway. 1, 2, 3, 4, 5... C'est vrai que 6, 7... Ouais, il ah, y a quand même 7 créa en tout, hein, mais bon. Ça, c'est pas des créa très bien. Je crois que ça, c'est pas une carte très bien. C'est euh, une 23ème carte. Bon vieux 5C, 0 compromis. Le vert a l'air fort. Ouais, j'ai l'impression que j'ai un bon vert. J'ai l'impression que mon noir et mon rouge sont cool aussi. Oui, alors ça ressemble à quoi si on fait un, un June 2. Hum. Non, je jouerai pas ça. J'aurais une Norine... Ah il peut pas bloquer remarque. Je suis tricolore, on va pas se passer de norine Encore des gestions. Ça on va pas s'en servir. Ça, ça, ça. J'ai peut-être un peu trop de late game, non Après c'est fort quand même. Bam. On met à 42 cartes. On a lanti On n'a rien d'autre. On a deux immensités. On a ce land-là. On a tout pour jouer blanc-bleu. Hein. Enfin, tout pour jouer blanc-bleu. Ouais, enfin, en vrai, ça, c'est même pas très bien dans notre deck blanc-bleu. Justement, ça tue nos bêtes. C'est pas bien. Petit noir-rouge-vermium. En jaune, tu as été un. Ouais, j'ai trois landes pour fixer quand même. Je sais pas si je veux mes deux drop 1. peut-être que je les veux en fait. Curve à 3, elle est comment J'ai combien de bêtes J'ai 17 bêtes. Ça te dit quoi la courbe Bon, ouais, peut-être que je peux... Je fais des trucs cool. En fait, je commence à jouer des. Ah, j'ai pas de tour 2, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que je peux mettre des tours 2 J'ai pas de tour 2 dans ces couleurs-là. Est-ce que j'en ai beaucoup en blanc 1, 2, 3. Et en bleu on est deux... En fait, j'ai pas de tour 2 dans mon pool. Donc, est-ce qu'on met des tours 1 pour compenser Ouais, bon, des tours 1 autour 2 qui bloquent pas, c'est pas bien. J'en ai en 6000 quoi. Je crois que là on a un truc un peu sympa. Ah si j'en ai peut-être par là remarque. Si j'ai des tours 2 regardez avec les recyclages. Donc, finalement j'ai des trucs à faire tour 2. Ça c'est plutôt... Euh... Ah ça ça me fixe totalement d'ailleurs. Je suis en tour 3 ou 4. Alors, il ne faut pas crever, mais si on ne crève pas en early, et notamment avec ça, ça devrait le faire, on fait des choses assez débiles. Hein. Qu'est-ce qu'on enlèverait Ça, c'est peut-être Mim's, si on ne manifeste pas beaucoup l'effroi. Ça, il faut que j'engage une ou deux bêtes pour qu'elle inflige ses blessures. Mais euh... ouais, quoi que j'ai beaucoup de bêtes, mais elles arrivent tard. Donc en fait, ça c'est une carte qui sert à rien en early. Et tant qu'à faire, je préfère sacrifier une bête pour exiler une créature plutôt que de devoir euh, engager pour faire ci, ça, ça. Quoi, quoi que ça, c'est le coup supplémentaire. J'ai beaucoup de gestion, pendant le en v enlever une. Il y a beaucoup de gros ports Hors ouais. of Reanimate avec tous les recyclages. Bah, j'en ai qu'une de... de réanimation, quoi. Ah non, j'en ai deux. Ouais, mais bon, même tour 5, je réanime une bête, je gagne 3 points de vie. C'est des drops 6 et 7, quoi. Je gagne un tour, c'est naze. Et ça, je le mets difficilement au cimetière, donc. Des rituels éphémères, des créatures, des enchantes. C'est possible d'avoir le délirium. Euh, J'ai des terrains qui se mettent tout seul. Non, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Faut que tu aies encore une carte. On a 16 bêtes. Peut-être que je peux cuter un comme ça. En vrai, j'ai pas beaucoup de petites bêtes, donc je crois que lui, il est moins bien. Enfin, ça, ça fait des petites bêtes, mais si je l'ai pas, l'autre il est moins bien, quoi. Ok, bah vous savez quoi, on va tester avec ce jaune. Jinde. De... m'a pas l'air fameux, fameux non plus, mais bon. On peut, euh, on peut faire des trucs, on peut caster des cartes. On va voir. Double paquet scellé. même si je me fais 0-3, je pense que je partirai pas sur un troisième. Ça va être un peu, euh, un peu trop good just. Ou alors j'en build un dernier. Mais j'aurai pas le temps de faire les games. Faut que je vous montre du petit podcast, à vous, Si vous n'êtes pas content. Ah vous êtes tout le temps content, mais encore plus content. Hop, les petits messages. Je noté celle-là. Personne joue. tu vas faire du gros sash jusqu'au light. Arriver jusqu'au light. Allez, là je relance. Hier ça m'a fait ça, ça a cherché quelqu'un dans le vent et et j'ai relancé, j'ai trouvé de suite. Non, oh, mais c'est là. Celle aussi. Excellent ça. Allez s'il vous plaît, je contre moi. Ah, j'ai même pas mis au jour le score tout à l'heure, je me suis fait tellement rosser en 2-2. J'ai même pas touché le score. Plus mine pour ta playlist. Merci que Zine Bon Bon Dieu Si ça continue, je vais ouvrir des boosters moi. J'en ai là J'en ai en plus. Pas des boosters magiques, mais... Imagine. Je veux un booster Bloomberg. Un KDA tellement haut que la piste ne trouve personne. Oh, le KDA énorme. Vous avez un énorme KDA, monsieur. Merci. Ah oui, toujours, on menace dans le... Dans la bienveillance-té, Gnoukipexit. Euh... Oh, c'est le bébé. C'est que le Ah, c'est le bordel. Ah, ça y est Salut, Tihuc D'avoir passé ce moment avec vous, avec grand plaisir. Magic WC 40. Oh, le Magic Water Closet. Ouais, ça se fait. On a nos, nos couleurs anti t 2. On a un tour 3 qu'on peut pas caster, mais bon. Si j'ai pas besoin d'anti-bet, pour aller chercher une montagne. Très bon tour 2 monsieur Très bon tour 2 monsieur Hey Il fait le scarecrow Et puis tu Ouh On va bien le tuer pour gagner 2 euh, points de vie. Mais je vais le faire maintenant nu. On va me prendre de X. Ça gomme un peu les dégâts. C'est cool. Trop bien ça. Deux blessures gagnées, de PV. Excellent. Je déteste la tête de ce type. Je suis désolé. Je dois le dire. Allez, je trouve une forêt. Joue ça. Je suis Gucci. Oh la bestiole à la tête de lit. Oh tu dors là, tu te fais empaler dans la nuit quoi. Et après tu te fais encorner. Vous l'avez. Vous l'avez, vous l'avez. Un point. Il peut le sacrifier quand il veut. Ça c'est même pas en rituel, c'est trop bien ça. Ouais, je passe mon tour. Hein. Heureusement ça, ça va chercher une montagne que j'ai déjà. Mais au moins on affine, on aura plus de chances de piocher d'autres choses. En tous les cas. Il joue 4 couleurs. 3 euh, couleurs, pardon. Euh... Ok, c'est une 2-2 de qui peut devenir 2-2-fly. De Ça me va. Ok, je trouve pas de quoi jouer le hurler. C'est pas très grave. 5-3 portés ou 2-4 qui fait des trucs. Je crois que j'ai joué le 5-3 porté là. Je une fois de plus, un me de moins vu que c'est le court qui te fixe. Euh, bah, j'ai un fixeur vert mais oh belle. Mais pour le coup... Euh... Je fais pas grand chose d'autre quoi. Je peux réanimer un truc. Ou détruire quelque chose. On va jouer le clown. Le clown Il est humain et clown et berserker. Très drôle. Bam Là on entre dans la phase de, de gameplay où on peut mettre deux 3 nions quoi. Pour 2, je peux révéler un permanent face cachée ciblé. Ah, donc je peux regarder ce que c'est aussi chez mon adversaire. Je suis pas obligé de le retourner. Ah Très très fort ça, euh, poulet. Je vais vite mettre ma 3-4 portée, t'inquiète. Il peut copier du coup Non. Et du coup tous les tours il me... Oh. Ah, après je me prends des combos de rare, encore une fois les gars, je suis désolé. Hein euh, je manifeste l'effroi. Ah du coup il n'aura pas son effet. Hmm. Ouais, je prends une créa quand même. Hein. Ouais, je prends les deux. Ah, l'autre était au cimetière, j'aurais pu la réanimer. Merde, quel con. Ah, oh, j'ai pas compris. J'ai rien compris à ce que le jeu me demandait. Euh, il aurait sacrifié une créature de non jeton et un enchantement. Oh bon, il y en avait qu'un. Après, faut que je tue ça dans tous les cas donc. Euh... Ouais, il aurait pu le réexiler, ouais. C'était pas bien. Bah, il faut que je tue ça juste. Hein. Non, en fait, pas le réa, en fait, parce que j'ai besoin de tuer ça. Si je le réa, autour d'après, il fait OK, bah pour un, euh, genre je crou, il me refait le truc et il m'exile mon, mon démon. Ah, il me fait remanifester l'effroi, certes, hein, mais euh, du coup, je peux lui mettre deux. Et avant qu'il fasse de la magie, on va détruire ça. C'est beaucoup trop fort, ça. Bon, je vais encore prendre 4. Mais. Euh... Oh, c'est rigolo. Mais ensuite, j'ai une bête portée qui arrive qui devrait euh, temporiser un peu. Et puis, s'il a encore un removal, bah, tant pis. Il hein. a déjà fait une belle sortie, là. Oh, il avait ça en plus. Oh! Donc, à chaque fois qu'il fait ça, il pioche une carte. C'est déconné. Bon, j'ai beaucoup d'anti-bêtes aussi. Hein. Je peux les trouver. Hein. Je peux reprendre un permanent. Donc, je pourrais reprendre ma forêt. Je pourrais pas rejouer le truc. Allez, hein? Non. Ça peut pas détruire un artefact, ça, bordel. Genre il détruit une pièce, quand Il arrive dans une pièce. L'anthropède, il se... il se balade, il détruit tout. Non, pourquoi là, Je me prends que des sorties de fou. Arrêtez Je vous en supplie. Laissez-moi faire une game normale. Je J'ouvre des packs normaux, moi. Je veux pas beaucoup de rares. Je peux même pas casser ma mythique. Pourquoi vous me faites ça Mais ah, s'il a que des landes en main ça me va. C'est 7 mana donc il faut encore un tour. Si je fais ça, je fais une 2-2. Pas jouer ça, soit je jouer une 2-4, soit jouer une 2-2 et je reprends euh, ma créature là, mon terrain. Je crois que j'ai besoin de bête là. Ça, ça pourra lui faire un petit jumpscare aussi à un moment donné. Oh, salut! Salut nos jeux de société Thibaut! Bienvenue, bienvenue à tous. On est en pleine avant-première Magic. 7-6 pétinements. C'est vraiment les, les vieux monstres, ça. J'adore. Alors. Alors. On va chercher du coup une A source d'air. Ah. De quoi souffler un peu, euh, mais on va d'abord devoir jouer, c'était l'emport nous-mêmes. Je pouvais hurler révéler ça mais euh, je préférais euh, je préférais les pop Tu aurais la voir la grind. Je connais pas son pack mais j'ai l'impression que j'ai un peu cassé sa synergie là C'est fort ça. Attends c'est une 4-4 pour 5 enchantements qui. Oh. Ah bien joué, tu as détruit euh, la meilleure carte de mon pack avec cette tronçonneuse. Et là on est mort. Ce qui met 4 et 4. Ça va être chaud, les gars. Il all attaque. Donc, ça, ça bloque ça, évidemment. On prend en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il ne fallait ouais, pas qu'il topdeck removal. Bon, bah, topdeck removal. Ok. Euh, on a un peu galéré avec nos landes, mais ça va. C'est pas le pire, c'est juste qu'on a pioché un peu trop de rouge. Peut-être qu'on va rééquilibrer les landes. Il est où mon score, bordel Il est là. 0-1. Allez, le 0-6 incoming, là On se régale Pour ce format délicieux, quel paquet scellé. Ah non, j'ai que 3 montagnes, donc voyons juste, j'ai pioché euh, ça et que des montagnes. J'ai plus de forêt. Par contre, effectivement, je pense que je peux vu que j'ai plus de verre en early que t'es comme ça ok il pioche bien quand même il avait pas grand chose en main pour pas dire rien et euh, il trouve euh, un élan de ton il trouve euh, t'engage ta bête bloqueuse portée deux tours c'est bien vu c'est bien vu de sa part s'il y avait le choix comme lui j'aurais pioché de meilleures cartes j'ai pas eu le choix Ruby Plays MTG. Ruby. Ah bah on peut curver ça, on va pas se priver. Hein. Et on éteint la télé. Trop d'écran en ce moment. Je ferai la vanne ou une vanne similaire à chaque fois que je suis sur ce terrain. Oh trop pipou. Petit tuciole. Allez dégage. <laughs> Ma belle a dit dégage, tu m'as saoulé. Je parle de souris, donc je le sais. Regardez les créatures face cachée, vous avez ça contre tout le moment. Deux, sur les deux, puis j'ai une carte. Ok. On a un pack qui joue pas autour d'eux. On connaît. J'ai l'impression que Delirium, c'est très très dur en, euh, en limité. En draft, peut-être tu pourras faire des trucs, mais ouf. Mon Dieu. Je commence par le gobe mouche. Alors en vrai, il faut y aller curvé. Hein. Elle était anti-bête ou pas Vu le nombre de ports qu'on a. On a un bon deck pour faire fonctionner Hurler, en tout cas. Enchantement, plus 1, marqueur, tac, je prends 3, j'ai plus mon Hurler. Et je suis deg. J'ai pas de mana noire. Ouais, c'est du c'est du scellé donc même s'il y a beaucoup de removal c'est euh... quand même ça dépend de ce qu'il est ouvert quoi. Nice. Je crois que je vais tenter, je vais attaquer quand même. Oh, en plus je trouve pas de land, quel enfer. Bon alors je tue ça. Ouais, je vais juste tuer ça 5 3, il a gagné 2 points de vie et comme ça je manifeste les Ça me permet d'attaquer un peu gratuit. On va mettre ça en l'effroi. On peut le voir avec ça. Et je perds un marais mais que je vais pouvoir reprendre. tour d'après avec sous la peau. Oh, il faut que j'ai mythique d'antibête pour commencer à faire des trucs. Et le truc que je fais c'est une 2-2. C'est pas délirant là ça Bon, qui va être une 4-4 euh, normalement euh, qui coûte 5 euh, pour seulement 2. S'il mais... n'a pas géré tour 3, il le gérera tour 4 que si il est top des quais. Hein, le nom du sort de combat gris, il me régale. Passage à tabac par une bestiole. <laughs> Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre Passage à tabac par une bestiole Mais quelle bestiole Ah, mais c'était un gros truc quand même. Oh, il en a une autre. Alors si je retourne et que j'attaque, je fais une petite 1-1 mais bon lui il trade. Oh mais je peux jouer ça. Extraordinaire. Tout se met en place. J'ai un deck qui ne tourne que autour de ma mythique. Et il aurait le droit d'être deg. Go. Hop là, 4 initiatives. Je fous ça là. J'enlève en land. Il la voit encore. Après, je peux retourner les deux. Bagarre. Oui, bagarre. Évidemment, bagarre. Là, je suis le type qui fait une sortie insupportable pour l'adversaire. Et ça fait plaisir. Et en même temps, ça fait pas plaisir parce que c'est pas le limité de ce monde, ça. Le limité, c'est pas Hurleur qui fait de la magie. C'est une mythique. C'est très dur de l'avoir. Imité c'est euh, je fais des petits removals, euh, je manifeste froids, j'ai le délirium, tu vois, c'est ça. Y'a plus de rocker, y'a plus de rocker. Oh la vieille ref. Je le vois encore régulièrement sur TikTok ce gars. Paf, j'achète. Stratégie, je pas de stratégie moi. La stratégie c'est pour les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Ah, il a géré. Et je râle quand mon poulet est merdique. Franchement, le poulet est pas ouf, John hein Begrim. Ce que je dois setup pour, euh, pour faire des trucs, là, c'est compliqué. 5-3 qui me taquine la belette, c'est long. Oh, j'ai trouvé un land. Je vais pouvoir manifester l'effroi et reprendre ça. J'ai envie de juste y cogner la belette, là, mais bon. De points de dégâts, un truc c'est pas fou. Ah, je peux tuer ça et lui mettre de, une sauce en hein, remarque. Tu sais bien. Vous savez quoi Ça ça met des marqueurs en plus c'est chiant. Oh J'ai délirium. De euh deux marqueurs sur une ou deux créatures. Ah là je fais des trucs là. Là je fais des trucs là. Je croyais que j'avais éphémère déjà. Et non, c'est rituel. Sinon, c'était évidemment le plein Ok. La magie est en route. C'est pas si dur de lire avec manifester l'effroi. Ouais, effectivement. Euh, là j'ai pu manifester deux fois avec le hurleur mais c'est que j'ai pas beaucoup de cartes qui manifestent en fait j'ai hurleur sous la peau et euh... Et une autre carte quand elle meurt qui est là je crois ouais Donc, Si t'en as suffisamment en draft c'est beaucoup plus facile je pense delirium si t'as beaucoup de manifester les fois mais il faut en avoir beaucoup Mité c'est euh... Voilà quoi Quatre types je peux pas rajouter deux autres types là 5 -3, une 5-3, une 3-3. Je peux attaquer et je retourne en fonction de ce qui se passe. On va cibler. Ça, c'est 6-5. Ça, c'est 5-5. Ouais, je cible ça encore. Je dis bien joué, il m'a dit bien joué. Et c'est nos blocs. Ouais. Et là, en fait, s'il si bloquait, il retournait, il perdait juste sa bête. Euh, s'il si bloque ça, c'était euh, recte. Dur à prendre en main, mince limité, mais on n'est pas fanny aujourd'hui. On arrive à avoir une petite victoire. Ça fait plaisir. Oula, je viens de capter que je suis potentiellement dans une merde là pour euh, monter le podcast. Vous aurez le podcast. Rassurez-vous. Et on va un peu moins dormir cette nuit. Mythique tourard, ça gagne bien. Ah, bah je fais ce que m'ont montré les oppos. Hein. Mais regarde, joue les cartes fortes de ton pack. Ah. Mais si je ne les pioche pas, sait Pioche-les. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le, la remontada 7 win, 0 défaite, en jouant à chaque fois les mêmes cartes cheatées du pack. Ou est-ce que la variance veut nous rattraper la variance sera-t-elle avec nous contre nous Une incrustation sur deux et ça va le faire. Bah déjà là, j'ai un peu réduit les incrustes des fois quand on parle d'un truc, genre mettre le logo du truc, je sais que c'est plus agréable pour, pour les viewers et tout, mais je suis en mode bon. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui ne le regardent pas. Le podcast, pardon. Donc vraiment, euh, le logo, euh, pas, pas méga intéressant. Je trouve que c'est pertinent surtout pour les cartes en fait dont on parle. Si on parle de cartes, évidemment, c'est cool. Sinon, euh... typiquement, là, dans le podcast multi-TCG, on parle d'une banlist euh, Flesh and Blood. Je vais afficher une liste des cartes, mais on l'a dit déjà à l'oral, et je vais pas afficher toutes les cartes une par une. Il y en a 7 ou 8, je crois. Genre, J'ai rien que le temps qu'elles soient affichées une par une, ça prend 100 ans. Euh... Otus, non, et tout, exodia, sensei. C'est possible que c'est limité, ou tes rares squats de bibliothèques ne sont jamais arrivées. Euh, notamment ah bah oui bien sûr bien sûr bien sûr oh magic wc 34 c'est pas le 40 ça doit être euh, les comptes qui bug j'ai rien à recycler faut aller chercher autre chose donc non c'est meilleur je peux recycler ça pour jouer ça au tour 3 lui il m'a l'air un peu euh, un peu venimeux lui quoique ça c'est encore moins bien que ça Quand l'adversaire commence, ils ont pioché. Euh... Ouais, on ne pioche pas. Ça. Recyclage de forêt, tour 2. Bam, bam, bam. Bim, bam, boum, bam, bim. S'ils ont tous ça, ça va être chiant par contre. J'ai pas besoin de recycler de forêt. Donc, j'ai plutôt recyclé une montagne. Où cette bête est meilleure que celle-là. C'est les comptes des participants au du monde. Ah ouais? Ah oui D'accord. Bon bah on a perdu celle-là 1-2. Hein. Qui s'entraîne pour le World Championship. Ok. Je pensais que c'était Magic Wildcard parce que euh, des fois il euh, y a des comptes qui bug et. Et du coup, bah juste tu... Euh... Oh nice, un marais. Juste tu récupères un compte avec pas ton pseudo quoi. Je vais reprendre 6, hein. Il est anti-bet. Ouais. Drop 2 haste, drop 3 haste. GG. J'ai rien à jouer qui bloque. Bien joué. Ouais, on n'a pas de tour 2. Après, on a beaucoup d'anti-bet. Remarque à 2 qu'on aurait pu piocher. Oh, finalement, je vais être large pour le podcast. Ça va le faire. Ah! Un tour de Ace, un tour 3 Ace qui m'aurait collé les points même si j'ai bloqué. Qui m'empêche de gagner les pefs sur mes spells à 2 d'ailleurs. Pas mal Bon, c'est toujours pas la dinguerie qu'on s'est pris tout à l'heure. Mais c'est pas mal. C'est vrai que ce sera du limité de secondes champion du monde du coup dans un mois, ce aura pas fondation encore. Oh, ça va être trop bien limité de ce monde au, au world. Ce sera mieux que ce que je vous propose. Après, c'est pour le coup, c'est pas moi qui vous le propose. C'est le jeu. Hein. Parce que tout le monde joue gris tricolore, donc euh, pourquoi pas moi En fait, j'ai l'impression que je monte des decks de scellés classique classiques alors que tout le monde a des decks hyper agressifs de célé euh... C'est l'agro-vénère. Tu dis que J.E. est meilleur que toi. C'est-à-dire... Je crois que je parlais pas de ça, mais oui, J.E. est évidemment bien meilleur que moi. Ah oui, parce que J.E. est au World et que World, ça va être mieux. Oui, ouais. Entre autres, oui. C'est déjà arrivé du scellé en limité au World. De mémoire, non. Mais peut-être que euh, si, et que je me trompe. Salut qui 91 Ça c'est. Ah bah, même euh, question Belgarian. Non, euh, normalement non. On veut du draft. Au World, c'est du draft, ouais. Allez. Il n'y a pas grand monde qui joue, hein. Ça va être dur. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il fait encore 1000 degrés là. Quelle température aujourd'hui 21 Non, il fait pas 21, il fait 40 dans le bureau là. Qu'est-ce qui se passe 21, euh, mon fion. Là, hein. ah, il a que le set dispo pour cette époque. Il y a du draft aussi dispo. Il y a draft et scellé ouais, dispo. Mais euh, comme euh, il y a les AP ce week-end, je trouvais que c'était plus pertinent de faire du paquet scellé euh, avant, puisque euh, personne va commencer par du draft. Tout le monde a commencé par du paquet scellé. Et ensuite, la semaine prochaine, il y aura du draft évidemment. Il y a du draft en AP. Ah bon Il y a des AP qui font des, des drafts. Ah non, pour le stream d'AP, oui, pardon. Trois minutes qu'on attend quelqu'un, s'il vous plaît. Y a pas quelqu'un qui veut devenir créateur de contenu, obtenir un compte et lancer un, un scellé, là Vous allez nous faire un live ou une vidéo spéciale pour Halloween Non, on fait pas trop. Des euh... fois, on fait la petite vidéo de Noël ou du Nouvel An, mais bon, euh, la plupart du temps, euh, on n'est pas trop dans l'événementiel euh, calendaire. Ça a du bugger, je relance. Avec un set dans le thème en plus. Ouais, il y a un set dans le thème, mais. Pas de. C'est pas trop là-dessus que les gens nous attendent. Donc. Euh... Donc pour le coup, euh... c'est du travail en plus, toujours pareil. Allez, s'il vous plaît, là. J'ai l'impression que je peux aller chercher un, un truc à grignoter, et revenir, ça aura pas tag. C'est savez quoi On teste. Et voilà. C'est le cas Val. on a vu chez Bandit que ça vaut le coup. <laughs> J'avoue. Désolé YouTube, je mange quelques noisettes. En même temps, on s'emmerde en attendant. Le set sort mardi prochain sur Arena euh, Beamfig. En fin d'après-midi. Les joueurs de Célis font passer à peu peur des bestioles. Exact. Mais là je dois littéralement attendre que des gens finissent leur game et retaguent pour les affronter, je pense. Hein. C'est terrible. Du coup, c'est quoi le ressenti de l'extension en scellé Écoute, si tu ouvres un scellé de port avec des bombes de fou, tu vas rouler sur tout le monde. Ou en tout cas, tu feras des matchs intéressants contre les gens qui ont le, le même pack que toi. Et sinon, euh, bonne chance. Euh, là, de ce qu'on a vu, on n'a pas fait beaucoup de games. Hein. On en a fait euh, 3, 6. Euh... Très dur. Très, très dur ce qu'on a pris. Très dur aussi aux adversaires ce qu'on a mis pour la seule victoire qu'on a fait. C'était vraiment. Euh... Vraiment très fort on a que c'est un draft avec énormément de synergie un, un limité pardon avec énormément de synergie encore une fois c'est bien mais euh, pff, faut que wizard file des comptes d'AP à plus européen apparemment mais je peux taguer des requins et tout hein. plus ou moins même sur Bloomboro non je trouve que les euh, les spoilers Bloomboro étaient moins écrasants Les games sont unilatérales. Les games qu'on a fait aujourd'hui, ouais, elles sont plutôt unilatérales. ça s'adore là. Midji, ouais. C'est un peu chiant. Ah, voilà, il fallait dire que c'était un peu chiant. Olibe On est fixé, on a anti bête dans, dans longcours saisissant. Je crois que je vais fêter rouge malheureusement. Et on n'a pas beaucoup d'occasions d'aller chercher du rouge, donc on en profite. Normalement, non, pas de relique cette année pour nous, Elvis Weasley. Deux des Chaque fois qu'il attaque, une créature. Ok. Voilà bon, deuxième anavert, trop bien. 7 heures aux USA. Bah, ça dépend où aux USA, mais ouais. Je peux prendre 2, je vais les regagner. Je vais voir ce qu'il fait. S'il manifeste les je préfère tuer la, la bête manifestée typiquement. Ok. Dans ce cas-là, boum. Il s'accélère, slash, se fixe. Oh le long coup saisissant. On va mettre des coups de testas là. Hein. On continue dans la série, on se prend des spoilers. Allez, hein. 6-5 pour 3 et qui fait ramper de 1. Et qui fixe totalement. Il doit avoir une basse Célestia et, et, et jouer euh, d'autres spells, d'autres couleurs, genre des All et tout. C'est quoi ce beau lion là? De 5 par 2 quand vous attaquez, créature vous contrôlez, il y a une puissance Ah, nickel, comme ça je peux le bloquer. Et un lande de bus, 7-6, on bloque pas. Salut Sophrate! Hum mmh. hum! J essaye est-ce que je peux tuer ta bête détruisez une créature mais quel enfer ce qui me fait subir là j'ai envie de partir d'ici ah bah c'est la dernière game on l'a perdu ok ouais ouais bah ouais hein. Ok. Bah, on va faire ça pour aller chercher un peu de land. Hein. Wow! Wow! Oh wow! On est là, hein? C'est le survie, c'était hier, euh, Sophrad, pardon. Euh. Bah. C'était pas méga intéressant mais il a bien marché. Bien joué, tu as pris 6-1. Ouais, c'est dur, on prend... Je prends des séquences. En fait j'ai l'impression que je comprends pas le limiter là. Ou alors que je prends juste des séquences absurdes. Parce que là, ça, il a joué rien. Hein. Je joue peut-être mal aussi. Après c'est un rituel, je peux pas le jouer à un autre moment, je vais crever sinon. Oh, oh là 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 il attaque, les deux passent à 7 Je peux pas les les value trade. Je peux mettre que 6 Je prends des que trues là, mais c'est infernal, c'est pas à deux ça. Alors, les c'est fun. Écoute, rien n'est fun euh, dans ma vie la princesse là, actuellement. Ah yes, anti bête. Attendez je. Ah, je vais le caster avec tous mes terrains noirs. Je vois pas comment je survie, honnêtement. Allez, hey, top deck un truc. tu nous une bête, on est mort. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on est même pas mort si on tue une bête. Il a 7, 7. Elle peut attaquer tout de suite ou pas? Elle peut Elle peut attaquer tout de suite. Eh ben Je suis pas mort. Mais j'ai pas de bras donc euh, bon. Le tricolore n'est décidément pas une bonne idée. Ah bah je sais pas, mais au point que tricolore, ils m'ont défoncé, donc euh, ça a l'air d'être cool quand même euh, de jouer tricolore. Je pense que ça ne vient pas de là, le problème. Je pense que ça vient des poules qu'on ouvre et, et de mon niveau de jeu. Euh, pas suffisant après on prend des séquences euh... euh... c'est dur c'est dur c'est dur j'attaque je le flip je le tue et non Ah, je fais genre j'ai un peu de... de peps encore sous la sous la pédale hein. il lui suffit d'attaquer C'est exactement ça, Rekobonski. Bien joué. Allez, hop. Eh ben, au moins, l'épopée, euh, formidable. L'oppo a vu le play, eh ouais. Eh ben, c'est 0-3 et c'est 1-3. Franchement, propre. Honnêtement, le pack avait l'air décent, euh... Quand on a fait une game normale, ça s'est bien passé avec notre hurleur. Euh, on a défoncé l'adversaire. On avait mass removal. Bon, peut-être que celui-ci était un peu de trop. Bon, on chier, là, n'a jamais pioché, ni celui-là. Vous allez me dire. Ça change rien. Ouais, blanc-bleu, euh, j'ai pas cette bête bêtes, malheureusement. Euh... Elles sont bien ces nouvelles cartes Oui. Le limité, euh, je donnerai pas mon avis, mais. Ok, non. Euh, honnêtement, euh, je ne suis pas un expert du scellé, hein, parce que je... Je déteste ce format. Donc, euh, donc forcément. Je ne, ne m'y entraîne pas dedans. Euh, je trouve pas ça très intéressant. Mais. Euh... J'ai pas l'impression que j'avais beaucoup de choix quoi. On va en rouvrir un, on va pas le pas le construire ou quoi, juste pour voir. Non j'ai pas le temps monsieur Marc. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Celui là par exemple, on a la chance d'ouvrir 8 rares. On a ça qui est un peu incastable. Ça aussi. Ça ça peut être pas mal, ok. Ça c'est dangereux de se mêler autant. Ça c'est une bonne carte. Ça c'est une bonne carte aussi. C'est un land. On en voit encore 8 rares et il n'y a vraiment que 2 cartes jouables euh, ou trois, ça dépend le, le build qu'on a. Là il est très fort. Ouais mais c'est hyper dur d'exiler 6 cartes de son cimetière en limité. J'en avais rarement 6 hein. Voyons voir le pool. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bêtes blanches. En fait, on n'avait jamais assez cette bêtes ou pas dans les bons trucs. Tamio marche bien avec l'œil. Le... Tamio marche bien avec l'œil pour le coup, même si c'est très lent. Euh, au bout de 2 ou 3 tours, euh, tu vas pouvoir euh, jouer ton Oculus. Mais... Enfin, genre, si je joue une 5-5 vol pour 3, mais autre euh, 6 ou 7, et les mecs ils ont des 6-5 vols aussi en face donc. Euh... Faut un simic manifester l'effroi. 1, 2, 3... 4, 5, 6... Ouais, c'est encore bien réparti. Hein. Oh, le compteur habile. Il est à qui, ce compteur ah, c'est le compteur habile, là On a un rouge qui tache un peu ici, c'est bien ça. Ouais, on a un... le noir, je trouve toujours cool, hein. Parce il y a des bons anti il y a des bêtes qui sont ok, mais vous allez voir qu'en fait, il est pas si ouf. Par contre, le bleu, on en a ouvert énormément. Oh, le rôdeur moite. Oh, je déteste quand mes rôdeurs sont moites. En fait, je que des, euh, des packs où tu construis avec des communes co, euh, tu bouy bouy, des vrais packs de scellés et j'ai l'impression que j'affronte des trucs qui sont vraiment très forts. quoi. Enfin, sur les 7 games qu'on a fait du coup. Le but de la carte c'est de la casse T3. Mais en limité, tu castes jamais ça, T3. 6 cartes dans ton cimetière, en limité, T3. Ou alors, tu as beaucoup de multiples de cartes qui te meulent. De 3, genre euh, tour 1, tour 2. Ça, on se met de 4, vous voyez. Tour 2. Mais il en manque un bout, hein Le rôdeur qui pègue. Après, tu peux la manifester au tour 2 avec un spell, genre si tu chattes, et la retourner au tour 3. Ça tu peux. Mais pareil, il faut chatter quoi. Ouais, non, pareil, là, j'ai pas la sensation d'avoir un pack. Euh évident à construire ou quoi. Je pense que je partirai sur du rouge. Je m'a l'air bien le rouge. Et peut-être un rouge noir agro. Il y a beaucoup de bleu aussi, mais euh, fond. Je sens que le bleu est pas si ouf que ça. Le bleu qu'on a, il est pas, pas si bien. Ah, ça c'est pas mal. Ça marche bien avec l'Oculus. Dimir Otomeul, ça paraît envisageable. Euh, ouais, mais c'est quoi le plan C'est quoi le plan d'Otomeul Tu comment Ah ça c'est fort. Non, on a quand même un bleu qui est très euh, très présent, donc je pense que ça partirait plutôt sur du bleu. On peut on aurait pu essayer un bleu rouge hein On a un bleu rouge, peut-être un peu sympa. Quelle heure idée là 13 h il faut que je monte les deux podcasts plus une autre vidéo plus euh... et que je parte à 16h30 streamer et que je mange Ah non c'est mort c'est mort désolé les gars je me disais est ce que j'ai le temps de refaire des games mais je pourrais pas quoi je pourrais pas j'ai trois heures pour manger et, et monter trois vidéos miniatures et tout donc... donc ça va être impossible malheureusement euh, ok bah écoutez je vais vous laisser là ah les noms sont très drôles dans l'extension The euh, je vais vous laisser là c'était délicieux euh, ce stream avec vous c'était moins délicieux les games mais bon au moins on voit un peu ce que c'est le limité il y a beaucoup de cartes briques qui sont pas ouf et c'est très dommage en limité genre des lignes les d'espoir des comptes de tamio qui sont moyen moins euh, les, les landes rares aussi qu'on peut ouvrir je sais pas si on en a ouvert, on en a ouvert un là mais, euh, mais le power level des cartes est assez intéressant. Pour lever le power level moyen. Ce qui permet de, euh, de faire des trucs assez cool, je pense. Si, euh, si vous affrontez pas Jésus, comme j'ai régulièrement. J'ai affronté plusieurs Jésus euh, euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, ouais, quand même euh, hâte de, de faire mon AP, voir ce que ça donne, si c'est la même chose ou pas. Et si j'ai un peu plus de chat sur mon ouverture, on ne sait jamais. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde